Les Vierges, ascendant Vierge ou signe lunaire en Vierge, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2023. Regardez les cartes, je vous en prie. On a des belles choses en fait. Je vous ai senti un petit peu triturée le mois dernier. Je pense que c'était soit sentimental ou relationnel. Ce que je veux mettre en avant ici, c'est qu'il va y avoir vraiment l'idée de mieux-être et de réconciliation avec vous-même. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a aussi du croustillant. Vous savez, on regarde déjà cette lecture de cartes sur le côté psychologique, psychique. Et puis après, on va regarder tous les domaines de vie, y compris la santé, la famille, les amis, le sentimental, le travail et le professionnel. Donc, vous êtes ici avec une notion de bonheur, soit sur le retour d'une personne, c'est incroyable parce que le retour ressort pour beaucoup de signes astrologiques. Est-ce qu'on a quelque chose à régler? Est-ce que vous avez quelque chose à régler? Je ne suis pas vierge. À régler avec une personne du passé, un schéma du passé, parce que pour certaines personnes, ça ne sera pas une personne, un ex, une ex, ça va être aussi un schéma qui revient. Une situation du passé qui va pouvoir être régularisée. Et non seulement l'étoile va vous amener une sérénité, cette étoile va vous amener cette notion de, comment dire, de bien-être, de lucidité et d'élévation dans votre vie. Alors ça ne sera pas sans mal parce que je vois la tornade ici. La tornade, elle vient nous dire qu'il y a un effort de votre part pour agencer les énergies, pour pouvoir remettre de l'ordre par rapport à une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme. Mais ça peut être aussi vous la femme en lien avec une autre femme, une maman, une sœur, une amie, une copine, peu importe votre femme, votre compagne, peu importe. On voit que vous allez avoir besoin de vous préserver, de vous mettre aussi en retrait avec l'énergie de l'isolement pour pouvoir continuer à rester lucide et avoir clair ce qu'il faut faire les vierges et ne pas faire. Donc là, vous êtes au centre du jeu, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, vous êtes en mode je me regarde, je suis en introspection, je suis certes indulgente, certes tolérante, mais votre regard se porte ici sur la tornade et le passé. Donc on peut parler de balayage du passé, de nettoyage du passé. Chacun va le vivre à sa manière, c'est pas forcément. On met tout aux oubliettes et on avance en traçant une nouvelle route. Ça peut être un travail intérieur, que ce soit par le domaine thérapeutique, holistique, médecine parallèle, avec l'énergie de l'étoile. Hein. De toute manière, vous allez récolter vraiment la réconciliation avec vous-même et un sentiment de paix, de libération. De très belles énergies pour le mois d'avril. C'est ce que je ressens. Alors bien sûr, j'avance le positif et le négatif. Je sais qu'il y a des gens, dès qu'il y a du négatif, ils s'en vont. Mais voilà, je vais toujours avancer le bon et le moins bon. Ce qui est bon, c'est que vous transmutez quelque chose. Vous connectez votre besoin à ce bonheur. Et ce qui est un petit peu difficile, c'est être lucide. On voit que vous allez y arriver. C'est faire du tri quand il faut faire du tri, mais avec douceur. Hein, c'est ce que je veux amener ici pour vous les vierges, même si vous êtes pour moi des signes radicaux, mais je vous adore. Hein. J'aime bien votre façon de faire. On peut compter sur vous. Vous dites c'est ok, vous dites non, c'est non. Vous voyez, moi j'ai. Vous me faites penser un petit peu, alors je vais partir loin, mais au nordiste. Dans le sens où on n'a qu'une parole. Après, voilà, c'est une généralité. Tous les nordistes n'ont pas qu'une parole. Mais je retiens ça du Nord. Je retiens des gens qui n'ont qu'une parole dans le Nord. Bon, petite anecdote. Parce que vous le savez, je viens de Lille. Alors maintenant, moi, ce que je veux avancer pour vous, mes chères vierges, pour ce mois d'avril, c'est que la difficulté, c'est de se mettre en mouvement. Mais vous allez le faire parce que vous avez conscience. Même s'il y a en contrepartie l'idée d'isolement, de solitude, de se mettre en retrait, de s'isoler simplement du monde extérieur, parce que parfois c'est nécessaire, ce que vous récoltez, c'est une grande libération, un changement intérieur et un mieux-être. Après, voilà, je ne peux pas vous dire, c'est bon, c'est acquis. Moi, j'ai envie de vous dire, ne restez pas, ne croyez pas que les énergies restent acquises, parce que les remises en question doivent être permanentes. Bon,
hein, pas tous les jours, pas H24 non plus, mais voilà, c'est pas parce qu'il y aura un mieux que bah, c'est bon, vous pourriez danser sur la table, non. Restez attentif et attentive à vos besoins. Et je pense que le Vierge ou la Vierge a le cœur sur la main et a tendance à s'oublier. Et c'est un petit peu ce qu'on va ramener ici en termes de connexion. Alors, moi j'ai envie de regarder ici, par rapport à la tornade, qu'est-ce qui va être à travailler? Eh bien, merci, le 4 de coupe. 4 de coupe, c'est ennui, lassitude. Je pense que ceux qui font une thérapie ou un travail sur eux-mêmes peuvent se dire « Ah, c'est bien, mais ça ne va pas comme je veux ou aussi vite que je le souhaite. » Ce 4 de coupe, pour moi, c'est une carte pas trop embêtante non plus, ennui, lassitude. C'est pas parfait, mais ça va quand même. Derrière tout ça, il y a l'exigence de votre signe astrologique, le Vierge, qui est assez terre à terre, carré, et qui veut peut-être aller plus vite, qui a besoin de sécurité davantage, mais soyez ici adaptable. Soyez fluide avec vous-même et sachez avancer à votre rythme. Ce qui compte, c'est d'arriver à la destination. Alors, ce qui sera positif pour vous, ça sera la Lune. Ben, c'est très bien. La Lune, elle vous permet de vous préserver, de vous protéger, de ne pas dire. Hein. Il y a aussi cette notion de ne pas dire pour se préserver. La Lune, elle vous permet aussi de ressentir, d'aller chercher l'impalpable. Ça peut être thérapeutique, ça peut être médiumnique, ça peut être holistique. Il y a des personnes qui vont aussi se mettre dans la créativité. Ça peut faire du bien. Moi, je sais que quand je suis pas bien, bah, je vais dessiner, je vais faire mes oracles. Et quand je suis bien, bah, mes oracles, ils avancent pas. Bon, ici, cette lune nous parle de beaucoup de choses, de profondeur des émotions, mais dans la sphère positive, vous avancez. Les remous sont plus légers, sont plus tranquilles, amis vierges. Vous avancez plus sereinement dans une barque avec un rythme plus limpide. Même si vous voulez aller un petit peu plus vite que la musique. Ce qui m'intrigue, c'est cette étoile qui nous parle de connexion avec le retour. Est-ce qu'on parle du retour de l'ex? Est-ce qu'on parle du retour d'un schéma? Ben, je vais vous dire, cela vous appartient. On va avoir l'as de coupe. Oh punaise. Est-ce qu'on se le réserve pour la fin ou pas? Parce qu'on a ici quelqu'un qui vient toquer à nouveau à votre porte. En tout cas, c'est le message que je reçois ici. Et d'une autre manière, l'as de coupe, c'est « Ok, ce chemin revient dans ma vie. Je fais preuve d'authenticité, de pureté. » L'intelligence du cœur, c'est ce qui va vous permettre ici d'avancer et c'est ce qui va vous permettre de transmuter. Une réelle élévation, franchement, c'est... Alors, il y a du bon, il y a du moins bon, on le sait. Alors, les amis vierges, on va chercher le domaine financier. C'est vrai qu'on peut avoir le trèfle qui peut nous parler de finances, mais ça ne me parle pas trop ici. Alors, le financier avec le petit Lenormand. Nous avons la lune qui nous parle d'inquiétude par rapport aux souris. Il y a des dépendances, ça peut nous parler de dépendance aussi. Et nous avons ici un nouveau départ. Il y a peut-être des craintes et des peurs par rapport à une somme d'argent. Ben, l'isolement, il va vous permettre ici de prendre un petit temps latent pour réfléchir sur votre fonctionnement financier ou sur ce qui se passe financièrement. La lune, c'est « j'ai des peurs. Est-ce que je vais réussir ici à aller au bout de mon projet ? Ou est-ce que je vais réussir à être bien, confortable sur le plan financier ?» Les souris, elles peuvent vous stresser. Ça peut être des petites choses à payer, mais nous avons tous des petites choses à payer par rapport à des démarches administratives. Donc ça, on zappe. Les souris, c'est « je m'inquiète ». La lune, les souris, bah, ça peut aussi, pour moi, avec cette combinaison-là, me parler d'une dépendance. Il y a peut-être des personnes qui travaillent sur un schéma de dépendance avec les finances, achats compulsifs, ce genre de choses-là. Bon, je dirais plutôt que vous êtes en lien avec un réseau de personnes, administratif, quelle que soit la situation. Mais il y aura un remous ici, parce que la tornade, elle ne fait pas que du bien. C'est « Ok, votre dossier n'est pas bon, on ne prend pas. Veuillez renvoyer les documents nécessaires. » Vous voyez ? L'administration française, youpi ! Donc, ça sera voilà, une période à passer, parce qu'après, il y aura ce nouveau cap. Et
Vous allez pouvoir ici retrouver 9 et 7 de trèfle, 16 dans le petit nœud normand, l'étoile. Et j'insiste, hein, c'est le petit nœud normand que j'additionne et non le tarot. 7 et 9, 16, l'étoile, sérénité. Sérénité, visibilité, quelque chose qui s'arrange, d'où la réconciliation, un mieux-être par rapport à une somme financière et ce sentiment de paix. Donc, on a des choses qui peuvent s'arranger. Je ne dirais pas que c'est dans le début du mois par contre. Certes, il y a des peurs sur votre stabilité financière, mais après, vous allez reprendre un sentiment de confiance, peu importe le degré que vous vivez la chose. Alors, excusez-moi. Alors, nous avons dans le domaine professionnel, mais aussi la manière dont vous avancez pour ce mois d'avril, le cœur, l'encre et nous avons ici le renard. Donc déjà, la manière dont vous avancez, si on parle d'une personne, vous allez rechercher à regagner une stabilité, soit avec vous-même, soit avec cette personne en question-là. Il y a peut-être l'idée d'aller visiter cette personne-là et on va mettre un point d'honneur sur le lien, le respect et la fidélité. Donc moi, j'ai l'impression que vous souhaitez aussi vous réconcilier, que ce soit familial, amical, ou voilà, sentimental, ou peut-être un ex ou une ex qui revient, mais tout en restant maître de vos émotions, de votre façon d'agir. Le renard, il est rusé. Mais c'est pas dans le sens « je suis rusé, je vais te la mettre à l'envers ». Non, c'est dans le sens « je suis rusé, je ne veux pas me laisser avoir, peut-être encore une fois ». Peu importe le lien ici, il sera question de retrouver des émotions positives et de regagner confiance ici, non seulement avec vous, mais avec l'autre personne. Vous êtes en mode « j'observe ». J'observe, je regarde son comportement pour ne pas me laisser faire ou me laisser avoir. Donc, ça me parle de confiance aussi avec vous-même, que cela concerne un spécialiste, ça peut être dans le domaine de la santé, que cela concerne le travail, puisqu'on est aussi avec le renard. Ça peut être en vue de signer un CDI avec l'encre. Hein, le renard et l'encre nous parlent de CDI. Ça peut être cette notion de retrouver une sécurité, une stabilité dans le domaine professionnel. Si j'additionne ces deux cartes-là, enfin ces trois cartes-là, en quintessence, nous avons 29, l'énergie féminine qui demande introspection, peut-être sur le plan professionnel, mais aussi indulgence en lien avec une autre personne. Ok, donc c'est croustillant, moi, je trouve, le relationnel dans votre tirage, parce que c'est comme si vous marchiez sur des coquilles d'œufs à mi-vierge. Alors, on va regarder la santé pour vous. Nous avons la tour qui peut nous parler d'un organisme. Alors voilà, on parle de santé et de démarche en ce sens. La tour, je vais la voir aussi de plusieurs manières. La tour, c'est un établissement qui peut être enfermé. Alors attention, ne psychotez pas, c'est un tirage général. Ça peut concerner ici un hôpital psychiatrique, un centre de dépressif. Bien sûr, il y a un pourcentage d'entre vous qui sera touché. C'est pas forcément vous, ça peut être bah tiens, la fille de mon ami, elle a fait une dépression, etc., etc. Elle se retrouve dans un centre spécialisé. Ça peut me parler aussi de quelque chose qui est fermé, donc quatre murs, ça peut être de la rééducation, ça peut être plein de choses, vous voyez, un établissement. Ça peut être simplement le médecin. Donc, nous avons ici l'homme qui va nous parler d'action, peut-être en termes de démarche ou de lien avec un établissement de santé. Donc, voici pour les petites cartes. On va chercher le domaine familial, avec cette carte-là, le 5 d'épée. Je gagne, mais j'ai blessé quelqu'un, peut-être dans les paroles. J'ai réussi à me dépatouiller, à me sortir d'une situation, mais par contre, j'ai blessé quelqu'un, un membre de ma famille, que ce soit dans les mots, que ce soit dans les actes. Ici, on vous dit, ben, y a peut-être vous et l'autre personne qui vous ressentez
qui ressentez cette, le, enfin, vous sentez lésé, c'est ce que je voulais dire, pardon. Mais derrière tout ça, moi, ça me parle de culpabilité. Si c'est le cas, alors moi, je parle de famille, peut-être que ça pourra vous parler du lien avec une autre personne. Vous aviez la lune dans le positif. Cette lune, elle est sympa parce que vous vous comprenez, vous regardez au-delà des illusions et peut-être que vous vous êtes battu avec une personne dans les mots, hein, j'entends aussi, c'est subtil, et vous a dit, bah tant pis, s'il faut blesser, je blesse. Vous vous imposez ici, hein, les vierges. Donc c'est pas forcément mal, hein, le 5 d'épée. Quand il faut dire des choses, même si ça blesse, ben, il faut que ça sorte. Voilà, point barre. Sur le côté amical, les collègues, les autres personnes qui vous entourent, nous avons l'ermite. Solitude, j'en ai parlé tout à l'heure. J'aime beaucoup la corrélation entre les oracles, les tarots, les oracles. Parce qu'à un moment donné, vous avez besoin de vous mettre en retrait pour peut-être ne pas subir d'autres critiques, d'autres reproches. Vous avez aussi besoin de prendre soin de vous, les vierges. Et ça, c'est important de vous écouter et de vous respecter simplement. Alors, pour continuer ce tirage, je fais une transition avec la sagesse de l'oracle. J'aime beaucoup ce jeu. Pourtant, c'est pas mon truc, hein, mais j'aime beaucoup ce jeu. Alors, n'hésitez pas, hein, de toute manière, toutes les 2 semaines, je fais le taroscope de 2 semaines en 2 semaines. Mais ce mois-ci, je vais peut-être zapper la fin du mois pour mettre le tirage sentimental un petit peu plus détaillé. Voilà. Alors, on continue avec vous. Vous avez la co-création. Le fait de co-créer, c'est être avec quelqu'un ou avec quelque chose d'autre pour avancer, pour créer, pour entamer quelque chose dans la matière. Alors, pardon. Et si de toute manière, on voit un élan dynamique, quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant, on a la symbolique de l'œuf qui est en gestation, la sagesse de la chouette ici, par rapport à votre intelligence et l'instinct, on va dire, du léopard, qui vous permet de concrétiser quelque chose, mais peut-être par l'aide d'une personne. On n'est pas dans le travail, hein. C'est pas que le travail, ça peut être la thérapie, ça peut être l'aide d'une personne, ça peu importe, voyez. On est ici dans l'action. Donc, ok, on va aller chercher le domaine sentimental. Et puis, on va prendre une carte du tarot pour le sentimental des vierges en avril. Alors, chevalier de bâton, soit on parle de déménagement, on parle de preuves aussi dans ce que l'autre peut faire par rapport à vous. Et puis, ça peut parler de mouvement, de quelque chose qui change et qui est en mouvement. Pour votre couple, on va avoir ici la femme et l'empereur. Alors, je dirais bien que l'empereur est un petit CON, mais je parle de vous, mesdames, dans le sens où vous allez remettre de l'or dans la relation ou par rapport à vous-même tout en pensant à vous. Mais ce n'est pas dans le sens où vous êtes égoïste, non, c'est dans le sens, ben, il est temps de vous écouter et arrêter de vous faire marcher dessus. Je pense notamment à ceux qui se sentent manipulés. Tout le monde n'est pas manipulé, hein, mais ça peut être taper du poing sur la table pour vous faire respecter par rapport à une autre personne dans la relation. Si on aborde ici le sujet des triangulaires, ceux qui ont une amante ou un amant, ou peut-être les deux en même temps, on ne sait jamais, on a l'idée de restructurer une relation. Ça me parle de restructuration. Ça fait bizarre, hein, de dire restructuration. C'est un petit peu space. Alors derrière, on a ici la mort qui vient nous dire qu'il y a une fin de quelque chose. Donc c'est un état d'esprit qui va mettre fin à quelque chose pour aller ici dans une certaine réserve. Ce que je veux dire par là, c'est que vous faites le job de quelque chose. Ce que vous avez envie de mettre en avant ici par rapport à une personne. Et puis après, la papesse, elle se met en retrait. Je dirais que pour les couples, vous restructurez les choses et après vous laissez faire, vous attendez. Pour ceux qui sont en triangulaire, vous réagencez cette tierce relation et vous êtes en mode analyse.
pour les célibataires, voilà, vous revoyez votre façon de vous ouvrir, si vous souhaitez vous ouvrir au monde extérieur. Mais après, la papesse, elle est là en train d'attendre. Elle se fait un petit peu discrète. Donc, si vous voulez signe trouver l'amour, on va vous dire sortez de votre coquille. Alors, on continue. Nous avons l'espoir, le lâcher-prise, la fidélité, la femme, encore une fois, elle ressort énormément, ça fait trois fois, et le savoir, ce qui sera négatif et positif. Alors, dans la lecture des couples et des triangulaires, par rapport à cette connexion, mais aussi en lien avec cette sérénité qui va pouvoir revenir, vous avez vraiment envie de laisser le temps, de lâcher prise. On l'a vu avec la papesse. Hein. On restructure et après on attend, on lâche prise. Pour moi, vous êtes fidèle à vous-même. Vous êtes fidèle à la relation. Alors, je parle pas de. C'est être en phase en fait. Hein. Peu importe hein, que vous fassiez quelque chose de bien, pas bien. Moi, je ne suis pas là pour juger. Mais je prends l'exemple, ceux qui sont avec une tierce personne, je ne peux pas dire vous êtes fidèle, ça n'a pas de sens. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes en phase avec vous-même et ce que vous faites, ça vous va. Et même s'il y a des petites remises en question ici, voilà. Bon, allez, je reste avec les couples, pardon. Comme ça, c'est bien, bien carré. On aime bien, on aime bien les vierges quand c'est bien carré, quand on comprend bien. Mais moi, je vous adore. J'ai un côté comme ça aussi. Alors, pour les couples. Restructuration, réagencement de la relation, lucidité et le fait d'y voir plus clair. Vous continuez, et d'ailleurs c'est votre souhait, à lâcher prise. Vous êtes en phase avec l'autre. Vous avez fait ce qu'il fallait faire et vous êtes en mode indulgence, patience et toujours cette notion de fine analyse. Hein, vous êtes très fort pour ça, pour comprendre ce que vous avez fait, si c'est bien, pas bien, où vous en êtes par rapport à la relation. Donc ici, il y a peut-être aussi des vierges qui vont mettre des mots sur cette notion de relation. Relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, voilà, on peut mettre beaucoup de choses derrière. Il y a peut-être une recherche à ce niveau-là. S'il y a eu des suspicions ici de tromperie, etc., on verra que ça va pouvoir s'apaiser. Même si ça vous a pris le chou à un moment donné, vous restez engagé à la relation et vous vous retrouvez. Donc voici pour les couples. On peut avoir aussi une signature qui se concrétise, même si ça prend un petit peu plus de temps par rapport à des documents. D'où la co-création, c'est aussi le projet en commun. Ça peut être aussi le fait de procréer un enfant. Alors, pour les triangulaires, ben moi je dirais que avec ces énergies-là qu'on a eues, il y a eu cette notion de mouvement. Alors, pardon. Il y a eu l'envie de laisser faire le temps par rapport à cette autre personne, sans se mettre la pression et toujours en gardant un regard analytique par rapport à ce que fait l'autre, à ce qu'est l'autre, à ce qu'est cette relation avec l'autre. Même si c'est pas toujours évident de se dire, bah finalement, vous vouliez vivre sans doute avec lui ou avec elle, mais ce n'est pas possible. Et c'est comme ça, ainsi va la vie. Donc, c'est l'idée de vous dire ben, que vous ne pouvez pas quitter cette chère personne et qu'elle fait partie intégrante de votre vie. Voilà, donc impossible de la zapper, impossible de l'oublier. Et vous restez connecté à cette chère personne. Donc, je vois pas un gros flop, c'est juste une petite remise à question, en question, une remise à niveau par rapport à vous et cette chère personne. Alors, si j'aborde les célibataires, je vous ai dit, ok, vous remettez les pendules à l'heure avec vous-même dans votre façon d'être ou de faire. On a eu quelque chose qui prend fin, mais cette papesse, c'est, ben, je suis là, je suis discret, je suis discrète. Ben, attention, hein, rien ne se passe si vous êtes trop discret. Donc la connexion est peut-être longue et peut-être lente. On va vous dire que tout vient à point qui sait attendre. Vous laissez les énergies venir à vous. On a beaucoup de réflexion et d'introspection par rapport à vos ressentis, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une personne sur votre route. Voilà. Ici, bien qu'on ait ici
l'anneau en positif. Alors bien sûr, l'étoile, c'est tout ce qui est site internet, réseaux sociaux, mais je pense qu'avec fidélité dans votre intérieur, vous laissez le temps au temps sans vous mettre la pression. Voici pour vous les Vierges, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve très vite pour le taroscope de 2 semaines en 2 semaines.